Lorsque les responsables du CST ont déposé la lettre d'information chez le préfet a invité les chefs cantons, notamment celui de Bangalam, celui de Kouma, celui de Bangalam, celui de Kouma, le chef supérieur des musulmans et le chef supérieur des musulmans et l'imam de la mosquée centrale, leur demandant de donner leur avis sur la marche du CST. Est-ce qu'ils sont d'accord que leur population marche? Notamment, les chefs ont dit qu'ils ne verront pas le chien qui va sortir marcher. Les responsables ont réussi à rappeler au chef, au préfet, que les chefs traditionnels sont garants des us et coutumes. Et pour cela, ils n'ont pas d'avis à donner sur les faits politiques dans la préfecture. À partir de ce moment, ils maintiennent la marche qui aura lieu le jeudi matin à partir de 8h au niveau du cinéma impérial. Ce qui a été regrettable, c'est que quand vous analysez les faits, certaines personnalités ont été identifiées. Je voudrais citer M. Adjman Mansedi Murtala, qui est le président fédéral de l'AMC Tchadjo, en même temps quatrième vice-président national. Il y a M. Tchangao Seydou, qui est le vice-président de l'AMC, un homme très actif. Il y a la présidente des dames de l'AMC, très très active aussi, et M. Dabé. M. Dabé, tout le monde le connaît à Sokodé, pour ceux qui ont eu l'occasion de travailler au niveau des TP de Sokodé, on l'appelle cochon malade. Pourquoi cochon malade? C'est quelqu'un qui a été victime d'un certain nombre de comportements d'espions du RPT, jusqu'à il était dépassé, il les a qualifiés de cochons malades. Parce que le cochon, vous connaissez sa capacité destructive. Quand il arrive dans un champ, il détruit tout. Et quand il est encore malade, vous pouvez vous imaginer ce que ce cochon peut faire. Vous avez vu, vous avez suivi dans la déclaration liminaire tout ce qu'on a raconté sur sa vie. Effectivement, M. Dabé a été victime de la répression morale et financière du RPT. Et il est mort le jour même de la manifestation et de la répression des gens du RPT. Je voudrais souligner qu'à l'intérieur, nous souffrons sérieusement, si je dis nous, parce que je suis député du milieu, c'est pourquoi je parle de nous. Les députés, les préfets utilisent les chefs traditionnels pour opprimer les populations. Et je voudrais que le CST dénonce avec la dernière rigueur cet état des choses, parce que ça a été déjà dit au niveau du CDJR, rappelé à tous les niveaux, mais je pense que ces gens-là n'ont pas encore compris ce qui est en train de se passer. Merci beaucoup.